Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de calendrier de l'Avent. Mais avant ça, petite présentation de ce mini pingouin. Ce tout petit pingouin qui est très mignon, qui a un petit bonnet de Noël. Voilà, pas de serre-tête aujourd'hui, mais cet adorable petit pingouin, c'est l'objet de Noël d'aujourd'hui. Alors, on va commencer l'ouverture des calendriers de l'Avent. Où est-ce que je vais mettre petit pingouin pour que vous le voyez? Si je le mets là, c'est bien là. Ma pile de calendrier de l'Avent qui est juste là. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? J'ai envie de commencer avec celui de Action. Hop, hop, et hop là. Alors, j'ai pas testé plus de produits que d'habitude. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 décembre, donc dimanche 5 décembre. La case est juste ici. Attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Petite case qui ne se découvre pas du tout bien. Une lotion. Une petite bouteille. Ah, c'est plus petit que ce qu'on avait eu hier. Sésame, ouvre-toi. Alors, on a une bouteille qui s'appelle Face machin chose. Alors, donc c'est un masque pour le visage. Trop bien. Ça, je vais l'essayer à la prochaine douche, c'est sûr. C'est un masque pour la peau, pour le visage. Et j'adore les masques pour la peau. Donc, c'est parfait. C'est trop trop bien, j'adore. Hop. Alors, calendrier de l'Avent suivant. J'ai très envie d'ouvrir celui-là de ma maman parce que... Je sais pas si vous entendez, mais... Il fait du bruit. Et ça fait du bruit de clochette. En espérant que ce soit une clochette et pas juste un truc en verre que j'ai cassé. Parce que je sais casser des trucs aussi. Mais ça a l'air d'être des clochettes. Il y a clairement des clochettes. Oh, c'est encore une déco pour mettre. Oh, c'est trop bien. C'est un petit patin à glace avec des clochettes. Trop mimes, j'adore. J'aime beaucoup trop. C'est trop mignon. Et ça fait du bruit. Trop chou. Calendrier de l'Avent suivant. Lego Harry Potter. Alors, quel Lego va-t-on avoir aujourd'hui? La case numéro 5, elle est devant moi. Elle est juste là. Attention. Oh, c'est beaucoup trop bien. Ben oui, c'est écrit là, case numéro 5. On va avoir un truc à poser. C'est le gâteau d'anniversaire de Harry. J'aime beaucoup trop, 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 trop de ouf. Hop, je construis ça. Je construis le gâteau de Harry Potter. Hop, le petit gâteau, trop mignon, les motifs. J'aime trop. Alors ensuite, on a une boîte. Oh, c'est trop chou. On a une boîte pour le gâteau de Harry Potter. Donc on a une petite boîte blanche qui se pose sur le plateau. Et dedans, on peut mettre le gâteau. C'est trop bien. C'est beaucoup trop mignon. Et le couvercle, il tourne. Trop chou. Et ben voilà pour le gâteau. Trop bien, j'adore, c'est trop mignon. Alors, j'ai faim. J'ai envie d'un chocolat. C'est parti pour la battle de chocolat. Alors, on commence par le plus pourri, numéro 5. Demain, on a un gros truc, parce que la case, elle est grosse, elle est juste là. Là, on a une mini-case, et je veux pas la même chose que hier. Hein. Je vais bannir ce calendrier de l'Avent, il est pourri. J'ai la même chose qu'hier. 3 jours. 3 jours qu'on a ça. Ce petit chocolat pourri. Et bien, ce chocolat de la douille, hein, on le connaît trop bien. C'est juste une fausse joie. C'est un chocobon déguisé pour Noël.
Voilà. Elle est où la case numéro 5 sur ce calendrier de l'Avent? Ah, elle est là. Grande case. Oh, ça sent le chocobon. Ça sent le chocobon. C'est un chocobon. Mais ils sont pourris ces calendriers de l'Avent. Et gros, ils sont censés avoir du suspense. Ah, il n'y a pas du tout de suspense. J'en sais avoir deux personnages. J'en ai eu un le premier jour. Et là, c'est bon, c'est fini. Moi, je vais l'avoir. Oh, demain, je vais avoir deux trucs bien, genre. Pourquoi c'est le 6 où il y a des trucs bien? J'aurais dû en ouvrir un par la fin et l'autre par le début. Ça aurait été bien mieux. Bon, du coup, on a un petit chocolat de la douille et un petit chocobon. On va manger le chocobon parce que l'emballage est plus mignon. Il y a encore celui d'hier, là. Bon. Décoration de table? Eh bien, décoration de table, je trouve pas la case 5 non plus. Je suis fatiguée aujourd'hui, hein. Là, en bas. Ah, c'est un E. Vous le connaissez sûrement parce que ça fait partie de mes décorations de Noël que j'ai, que j'utilise. C'est un E. Alors que je vous montre dans le bon sens, c'est le E de Noël. Et en fait, après, on va avoir toutes les lettres de Noël et on va avoir des petites bougies à mettre dessus. C'est bien? C'est trop bien. On n'a que des bons calendriers pour terminer cette ouverture. Pokémon, Pop, Disney, Étrange Noël de Monsieur Jack et Pop, Harry Potter. J'ai envie d'ouvrir le Pokémon qui est juste là. Ouverture. Case numéro 5. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ce dimanche? 5 décembre. Wow, la case est énorme. Ça sent le décor de la douille. C'est la suite du sapin, je le savais. Il est encore scotché. Donne-moi mon sapin. Merci. Bon, ben, je l'ai fait en premier parce que je me suis dit, oui, ça se trouve, on va avoir un élément de décor et je vais être déçue. Je suis déçue. Alors, mes ciseaux, ils sont où les ciseaux? J'ai pas les ciseaux avec moi. Ah! Ce dimanche, c'est un fiasco. Ah, il y a tout qui tombe! Bientôt fini, il reste 3 calendriers de l'avant. Je sais que t'es déçu parce qu'on a juste eu un petit bout de sapin, mais ça va le faire. Hein, regarde, j'ai trouvé les ciseaux pour ouvrir. Hop. Il est nul le sapin de cette année. Ils ont même pas dessiné des Pokémon dessus. Quelle déception. C'est juste un sapin basique avec des boules de Noël. Il n'y a même pas des Pokémon dessinés dessus. Alors certes, c'est un sapin sur lequel vous allez pouvoir déposer vos petits Pokémon. Oui. Et heureusement qu'il nous sert à quelque chose, ce sapin. Parce que sinon, ça serait la douille puissance max, quoi. Est-ce qu'on peut mettre les Pokémon dessus? Vraiment? Clairement pas. Lui, il est petit, peut-être qu'on peut le mettre en haut. On peut mettre les Pokémon dessus. Mais des petits Pokémon, hein, parce que là. Et on a eu que 3 Pokémon! Je suis déçue! On y est le premier dimanche et là, pouf, on n'a même pas de Pokémon. On a eu. Presque, on a eu 2 accessoires. Moi, je pensais qu'on allait voir 2 Pokémon, un accessoire, 2 Pokémon, un accessoire. Non, non, on a eu 2 Pokémon, on était contents. Et là, il faut accessoire Pokémon, accessoire Pokémon. Ok? Bon, il y a intérêt à ce qu'on ait un Pokémon demain quand même. Bon, on va ouvrir celui.
Funko, ceux de Funko au moins. On sait qu'on a des Funko à l'intérieur. On sait qu'on a des Funko Pop. On sait qu'on va pas avoir un truc de la douille. Alors, étrange Noël de Monsieur Jack. Que nous réserves-tu comme étrangeté? Oh! Est-ce que je connais ce personnage? Bien sûr que je connais ce personnage, je l'adore. On dit sa copine. C'est Sally, elle est trop chou. Avec ton copain. Oui. Mais il faut le Jack normal maintenant, parce que Sally c'est mignon, mais avec le Jack normal c'est encore mieux. Donc on a eu Sally, c'était la copine de Monsieur Jack. Et maintenant, calendrier de l'Avent à Harry Potter. Case numéro 5, on a bientôt fini la première ligne. C'est déprimant. J'ai pas envie de finir la première ligne. Ça veut dire qu'après, bon, certes, on aura plein de pop génial, mais après, on n'aura plus d'ouverture à faire. On aura fait le premier quart des ouvertures. Je vais pouvoir jouer après au Lego Harry Potter, oui, mais bon, c'est mignon d'ouvrir les trucs tous les matins. Oh! C'est trop chaud! Oh! Excusez ma joie. On a un patin rond! C'est patin rond! On n'a pas eu d'Hermione pour l'instant. Non, on a eu Luna et Harry. Et Mago. On a eu patin rond! Et je veux Hermione demain. Je veux Hermione demain pour les mettre juste à côté en mode oh c'est trop mignon. Et lui aussi il a un toucher pot de pêche. Qui c'est qu'on avait eu? Croque dur. On avait eu croque dur en toucher pot de pêche. Et lui aussi il a un toucher de pot de pêche. Il est tout doux. Et en plus j'ai aucune pop de Hermione pour l'instant. J'ai déjà des Funko Pop. J'ai des Funko Pop, j'ai plein de Harry en taille Funko normale. J'ai un Harry porte-clés, un Ron porte-clés et j'ai Servius Rogue. Et j'ai Padma ou Padmati, une des deux jumelles là du bal. Mais sinon j'ai pas de fille, j'ai pas Hermione du coup. Oui j'ai pas Hermione, il n'y a pas ton rond, il faut le grand Hermione pour aller avec. Il est trop chou. Bon, et eh ben on a tout ouvert. Les calendriers de l'Avent, c'est fini pour aujourd'hui. Et c'est bien dommage, moi j'aime bien ouvrir des calendriers de l'Avent. Mais du coup, c'est pas grave, dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré. Enfin, quel est votre calendrier de l'Avent qui vous a le moins déçu aujourd'hui, parce que clairement, les deux chocolats, le Pokémon, pas ouf, pas ouf. Hein. Donc dites-moi quel est le calendrier de l'Avent qui vous a le moins déçu pour aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez comme calendrier de l'Avent? Et qu'est-ce que vous avez eu du coup aujourd'hui si vous l'avez ouvert? Parce que moi j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez dans vos calendriers de l'Avent. Ça m'intéresse de ouf. Surtout si vous n'avez pas les mêmes que moi. Et vous pouvez retrouver dans la description mes réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur ma chaîne pour retrouver les précédentes ouvertures. Et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines ouvertures de calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous fais des bisous. Mouah.